Ils ont changé des trucs graphiques, j'ai l'impression que c'est un peu plus beau. C'est un peu plus coloré, j'ai l'impression aussi. Ouais, il y a de la coloration. J'ai bien l'impression qu'ils ont mis des couleurs. Qui paraît, il y a Très grand boost. plein de trucs tout à fait très nouveaux. Coup, dans le lobby, tu peux changer le nom des équipes. Tu as Le nom juste à des équipes? changer. Ouais, par exemple, moi je vais m'appeler Trouduc. Sérieux, comment tu fais? Ouais. Je te montre. Enfin, en gros, tu crées un lobby, tu fais paramètres de sélection ou paramètres du match, et Ouais. tu peux changer. Donc là, par exemple, moi je vais m'appeler Trouduc, et toi je vais t'appeler Trou du t'es cul. salé. Non, je vais t'appeler Salé. Voilà, donc là en Salé. haut, t'as Salé et Trouduc. Je vois pas moi. Ok. Tu peux ajouter un historique de manches. C'est-à-dire que par exemple, si tu restes au bout de la deuxième manche, par exemple, tu dis le résultat de la manche qu'il y a eu. Par Ah oui, exemple, ça reprend le truc. voilà, t'as le choix C'est entre bien trois ça. choix. Égalité, victoire de l'équipe bleue, victoire de l'équipe orange. Tu peux dire l'objectif qui était sélectionné. Enfin, ça en gros, c'est pour les Rios, c'est un peu spécial. Voilà. Alors, une autre nouveauté, quand je vais appuyer sur commencer, tu vas voir, il y a plein de changements. Ok? Je vais aller en attaque, comme ça je vais poser le diffuseur, tu vas pouvoir voir la nouvelle animation. Toi, quand tu vas être en défense, prends Castle, comme ça tu pourras tester enfin la caméra Bulletproof, la nouvelle caméra. Donc le deuxième changement qu'il y a, voilà, c'est les animations, toute l'interface a changé. Alors. Là, j'ai activé la phase. Oh, Salé contre Trouduc, c'est trop bien ça. C'est quoi cette histoire de caméra bulletproof? Va par exemple sur Castle. Ok, alors attends. Donc là, tu Ah vois, ouais, en gadget. gadget secondaire, c'est une caméra Caméra blindée. blindée, quoi. Usagers, on a un nouveau Alors, gentil les parmi agents, vous. la liste des Veuillez agents ranger les qui manches. ont cette caméra, je vais te la dire tout de suite. C'est cool ça. En fait, il y a tellement de nouveautés que je vais partir un peu en vrille. Donc les agents qui ont la caméra bulletproof, c'est Mute, Castle, Oh, Mute, c'est mon Doc, préféré. Doc, Frost, Cavera et Vigil. C'est les agents qui ont les caméras en gadget secondaire. Top Trash Talker et Nerf Me. Alors là, tu as une phase qui va s'appeler la phase d'exclusion. Donc tu peux régler le temps dans les paramètres. Donc je ne connais pas les paramètres Ok. de Et Pro League. là, on a Donc 17 par secondes. exemple là. Je fais beaucoup quand même. Faut que je fasse quoi? Mais D'accord, je suis je encore n'ai en pas les attaque amis. là. Donc, là, tu choisis un OP par exemple que tu veux supprimer de toute la partie. Ah d'accord. Tu prends par exemple H. Lyon. Moi, je vais le supprimer. Donc tu as sélectionné Lyon, voilà, ça te le met. Bim! Ensuite, là, c'est à moi d'exclure. Donc là, j'exclus aussi un attaquant, un agent cancer Blitz, tiens. C'est Hey! bien cancer, quoi. Et ça sera pour la ranked? Alors, non. Normalement, non. Enfin, non. De base, non. C'est que pour les matchs G4G, GoFor, Com Cup, enfin, des matchs D'accord. parties personnalisées, quoi. Ok. Alors là, je choisis aussi un agent, mais en défense, cette fois. Moi, je vais prendre Bandit, parce que Ok. Bandit... Et moi là, je vais devoir rebuter un défenseur. Et ouais, justement, toi tu vas prendre un défenseur. Putain, bandit est exclu. À moi. Tachanka, parce qu'il est trop joué. On va le dégager. Je suis pas un bouffon, moi. Hop, pas de Tachanka. Alors là, c'est la fin de la phase d'exclusion. Donc là, tu vas choisir de là où tu veux spawner, en gros, D'accord. ton objectif. Et tu vas choisir ton agent. Ça, c'est normal, ça. D'accord. Ça, c'est... Enfin, ça, tu connais. Garage, Je vais là je prendre prends H. Castle. Ok. Et alors là, tu as ce qu'on appelle la phase de révélation. Attends. Phase de quoi? Attends, je sais pas si c'est là. Il y a trop de trucs. Ouais, y a beaucoup trop de trucs. Ah Bah ouais, voilà. Alors changer là, t'as la d'agent. phase de sixième choix. Donc, par exemple, là, je peux changer d'opérateur, par exemple. Sixième choix. Changer. Attention, un seul peut Un seul joueur l'utiliser. par équipe peut l'utiliser. En gros, sur les 5 joueurs que tu as sur ce round-là, tu pourras changer qu'une seule fois C'est-à-dire que ton ça, agent. là, on peut s'adapter à l'équipe adverse, en fait. Ah bah non. Exactement, Bah parce non. qu'avant, justement, tu as eu la phase de... Normalement, tu as une phase de révélation. Je sais pas si je l'ai vu ou pas, j'ai pas fait gaffe, D'accord. mais... Donc on voit les agents qui... Putain, c'est trop Voilà, on bien. voit les agents.
Ok, c'est parti. Alors, c'est quoi cette caméra blindée? C'est quoi les touches? Oh non, c'est quoi mes touches? Il faut que je les fasse. Je vais arriver, je vais mettre le diffuseur et tu vas regarder. Et là, la caméra blindée, on... par définition, elle est blindée. Alors, elle est blindée, oui et non. C'est-à-dire que en face de toi, tire dessus. Mais de profil, enfin de face. Vas-y, tire dessus. Ok, maintenant, regarde tes cams. Donc là... Ah ouais, d'accord, elle est un peu brouillée. Ouais, parce que t'as tiré dessus, mais... Ah, c'est trop cool, quoi. Et en fait, tu peux la casser, mais que par derrière. Ah d'accord. Au coup de cut, je sais pas, j'ai pas essayé, mais par exemple là, attends, si je la cut... Ah si, tu me l'as okay. cassée, là. Ok, ouais, je peux la casser en coup de cut. C'est-à-dire qu'elle résiste aux balles, mais pas au coup de poing. Exactement, c'est-à-dire tu peux la mettre à distance, mais... Et tu peux, par contre, la casser de derrière, en tirant dessus. Ah, mais ça, c'est un aspect stratégique énorme, quoi. Ouais. Ensuite, ce qui a changé aussi, c'est le. Apparemment, non, on peut toujours drop shot, hein. Bah, quand tu glisses, tu peux. Ah non, on peut pas. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Vas-y, regarde. Tu vas défuser la bombe, ok? Ok. Nouvelle animation, non. Oh, ça fait plus de bruit. Ah ouais, ça fait pas de bruit quand même. Oh là, c'est quoi ça? C'est long! Non. C'est lent ça. Putain, c'est trop fort. C'est très très propre. Ça fait bizarre par contre, hein, putain. Ah ouais. Alors ce qu'il y a de nouveau sur les agents, c'est que les agents de 1 de vitesse sont un tout petit peu plus rapides et les agents 3 de vitesse sont un peu plus lents. D'accord. Après, il y a une modification de tout ce qui est recul. Ouais. Quasiment tous les reculs ont été changés. T'as vu qui... Ah ouais, la donc phase. Là, tu vois, là, t'as la phase de révélation. Et après, t'as la phase de sixième d'adaptation. Choix, où tu peux changer. Ça, c'est trop bien. Et ça, alors, par contre, tout ça, en ranked, on l'aura pas. Non, en ranked, cette phase-là. Par contre, tout est paramétrable. C'est-à-dire que tu peux dire. Enfin, en gros, tu peux ne pas avoir de phase de révélation. Tu peux ne pas avoir de sixième phase. Ah, la puce est fumigène, elle a des clés morts à la place. D'accord. Autre chose qui a changé, surtout pour les joueurs PC et ceux qui connaissent un peu à ce niveau-là, c'est le AAE. Le Fastlane. Le AAE. Tu l'as peut-être jamais fait, toi, parce que. Ouais, si, c'est la décale, tac, tac, tac. Oui, la décale rapide. Et bah, tu peux quasiment plus la faire en fait. Enfin, ça sert à rien à faire parce que maintenant c'est la même vitesse, quasiment. Ah ouais? Je suis en bas. Enfin, non, je me rends pas compte. Ah si, si! Ah ouais, quand on fait AE, ça va super vite là. C'est bizarre. Ah, c'est trop bien! Oh, comment c'est super rapide ce truc! C'est trop bien, la décale est trop bien. Ça fait vraiment bizarre parce que moi je suis habitué, ça fait. Ah non, pas moi. Je sais pas combien de temps que j'utilise, mais ça fait vraiment bizarre. Ah non, c'est trop bien, c'est super fast. Vous essayerez AE, le AE, il est super fast, j'arrive. Donc le nouveau recul, alors, voyons voir. Attends, ne te mets pas devant la porte du garage, je vais tirer dessus. Il est limité, on va pas. Ah, il me semble que Ying aussi passe à 43 de damage par balle. Donc, si je fais la même truc, voilà, on suit le même pattern. C'est bien. Je vois pas l'utilité. Mais... Non, mais c'est trop bien. Tu peux trop la mettre dans un endroit stratégique. Ah, quand même, ça fait un gros truc rouge quand tu la vois. Vas-y, attends. Vas-y. Ouais, mon fion. Est-ce qu'elle peut être piratée par Dokaibi? Bonne question, je pense que ouais. Putain, le truc c'est des. Plante la bombe, je vais voir. Alors regardez, le plantage de bombe. Ça, ça va pas changer normalement. Attends, bouge pas. Bah, on va éviter. Ah, c'est bizarre par contre. Ouais, t'as vu, y'a plus de son au bout d'un moment. Je pense que c'est un bug. Ça fait du son au début. Regarde. Vas-y. Là, c'est bizarre. Alors, attends, je vais m'éloigner pour voir si on entend bien. Arrête de diffuser. Bah, non, je me mets. Attends, je vais aller dans la salle à côté. Je vais voir si on t'entend. Parce que les bruits de shoot, on les entendait bien. Vas-y, diffuse.
T'entends? On entend, on entend. On a gagné. Et ouais, l'interface, si tu vois, genre, quand tu... Ah, le kill, il est bien de mairie. C'est beaucoup plus propre. Ah ouais, c'est très très propre, j'aime beaucoup. Quand t'as la phase de 6ème choix et la phase de révélation, tu peux pas changer ton équipement de l'opérateur, faut que tu changes après. D'accord. Dans ta phase de 6ème choix. Tu te rappelles un peu de la Bearing 9 de Ibana? Et bah quoi? Ouais, la Bearing 9, qu'est-ce qu'elle avait? Regarde le mur en face. Ah! T'as tiré au plafond. Ah ouais, non mais le... Oh là là! Wow, ah ouais. Oh, par contre, il y a plus de recul sur la MP5. En fait, il y a beaucoup d'armes qui ont des reculs assez différents. Je crois que Capitao était nerf à ce niveau-là. En fait, quasiment tous étaient buff. Mais j'avoue, il y a énormément de changements et les changements sont pour l'instant super top. Tout ce qui est custom. Par contre, les équipements et tout, ça existe. Mais c'est bien, ça me donne envie de faire des... Oh, elle est là, mon dieu! Qu'est-ce qu'elle a? J'arrive. Oh, le recul! J'arrive. Ah ouais, non, non, par contre, c'est... C'est nerf ou c'est... C'est buff, c'est vraiment buff. Montre-moi ça. Bon, alors, je vais te faire... Attends. Sur viens, sur le mur là, ok. Vas-y. Je contrôle pas le recul, ok. J'appuie juste. Ouais. Oh. Là, justement, là, tu vas pas voir beaucoup de changements. Regarde un petit peu à côté maintenant. Ouais. Je contrôle un petit peu. Putain, elle. Ah ouais. Là, elle est vraiment stable. Et du coup, l'arme de bug, voyons voir. Je contrôle pas le recul. Attends. Ok. Et en contrôlant. Putain, elle part toujours en vrille. Elle est dure. Ah, quoique. Les nouveaux reculs sont excellents. Alors, t'avais dit qu'il y avait un changement avec Echo aussi? Ouais, alors Echo maintenant a deux drones. Echo a deux drones et quand t'es par exemple son allié et que tu meurs, tu peux accéder à son drone. Ah ouais. Ce que tu pouvais pas faire avant. Ouais. D'accord. Bon, je vais quand même prendre Ella parce que j'ai envie de la tester. Attends, je remets le garage. Ella. C'est une arme de... Oh! 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 Alors c'est pour quand? C'est pour comme je viens de dire, c'est entre les finales de BL. Elle tire tout droit l'arme d'Ella. Oh non, c'est abusé. C'est abusé les gars. L'arme d'Ella tire tout droit. Elle a quasiment zéro recul. J'ai pas vu très haut. Attends. C'est moche. Allez, là quand je vise, ça m'enlève. Mais je trouve que ça revient beaucoup plus vite. La visée. Parce qu'il l'avait mis, il l'avait implanté une fois sur le TTS. Et en effet, quand tu t'allongeais, ben hop, tu visais pas. Mais je trouve que là, la visée, elle revient beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tu drop, et hop, tu peux vite reprendre le contrôle. Ouais, clairement, j'ai déjà plus de balles. Le recul de Buck, enfin Buck est deux fois plus contrôlable. Vraiment, là, ouais, j'ai galéré y a quand même. Buck à coque, c'est propre. Ouais, moi, c'est le AE, ça me rend. Je le kiffe. La décale, elle est super. Je suis pas habitué. Un ventilateur, attention! Pot de peinture! Bon, je suis un tireur d'élite. Et il y a une nouveauté sur les barbelés, ils ralentissent à fond maintenant. Regardez, là j'essaye d'avancer. Voilà, là je suis au maximum. Voilà. Vous avez vu que ça, comment ça ralentit? C'est assez dingue. Je crois que les... Ah, c'est chaud. Non, je crois que les... C'était une blague. Non, mais je crois que vraiment il y a eu des changements. Mais... Ferme ta gueule, tiens, bouge-toi ça. Bon, attention. Il y a plus de recul. Il y a plus de recul sur l'arme de Capitao, regarde. Non, justement, apparemment, il y a un peu plus de recul. Capitao. Ah bon? Un tout petit peu plus. Je connais bien Capitao. Franchement. En fait, c'est pas du recul, c'est... C'est plus au niveau de horizontal ou je sais pas quoi. Là. Après, côté technique, ce qui a vraiment été réglé avec ce patch de mi-saison, c'est tout ce qui est la mise alignement de son gros. Par exemple, les balles n'allaient pas pile à l'endroit où il fallait.
c'était super flagrant avec Sledge. C'est présent depuis la première version du jeu et ça a été enfin fixé cette fois-ci. Ah ouais, les balles touchent vraiment la pointe de votre viseur. Voilà, exactement. Ouais. Attends, fais gaffe dans le tunnel. Enfin, dans le village. Je mets mes deux. Ok. Bon, là, je vais tirer sans recul. Et avec recul. Oh. Ah, quand même. Faut bien être... Ça demande quand même de bien baisser la souris. Galaxy TGS 62, ouais, on peut lancer. On peut elle monte très vite l'arme. Donc faut bien la contrôler. Pas facile. Elle, par contre, zéro recul. Elle a zéro recul. Après ça bouge toi, un petit peu mais... T'as vu ? Je vais casser les trucs. Et il se passe quoi si je fais ça ? D'accord. Voilà, pour le coup t'as pas de chance hein, mais... Ouais grave, ça s'est arrêté pile quoi. Mais... Ah de ouf. Et là la caméra on peut lui tirer dessus. Tire dessus. Ça la casse pas. Avec par contre quand tu lui donnes un par contre au corps à corps ça la casse. Ah essaye une grenade tiens, essaye une grenade. Je pense que ça la casse hein. Pas sur moi c'était plus... Ah, la casse. Tirer derrière, la queuter une grenade, ça la casse. Tirer derrière ou lui donner un coup de poing, ça la casse et une grenade. Là, il a mis où ? Il a mis où ? Elle est très bien. Ah, elle est bien. Attends, alors, attends. Oh. Comment ? J'aurais juste mis un 3. Okay. 10 seconds remaining. Ah, elle est bien. Moi j'en mets une là pour avoir le couloir. Bon, ça sert à rien. Ton cul. Ok. Et je peux la récupérer après ou pas? Oui, tu peux. Ah, c'est mieux. Je vais maintenant. Je crois. On attendait. Allez, Loubou. Nouvelle caméra. Et regarde ce que j'avais. J'avais sur le serveur. Ah, carrément, tu peux. Ouais, en plus, ça marche. Hein. C'est nickel. Ça fait bien, hein. Tu sais qui est en face. Ouais, trop tôt, ah, oui, aussi. Vigil a été nerf. Ouais, oh, tu peux voir le drone de Yokai. Ok, ils arrivent. Oh, comme on les voit bien, les mecs en plus. Et tu peux voir le Yokai maintenant qui est en fait caméra. Vache, ah oh, oui, d'accord. Ça, c'est bien ça. En fait, tu peux voir toutes les caméras. Ah, là, par exemple, si vous bougez, vous arrêtez de bouger, vous allez plus être détecté par. Nous bouffe, ne décale pas. Et la caméra, elle est hardcore. Parce que là, ici, ils peuvent pas tirer dessus. Sauf avec une grenade, ils peuvent la buter. Mais sinon ils sont kéblo. Il y a du monde au top, ils ont ouvert la trappe. Okay. Vous avez vu le nouveau HUD là? Ah il est propre là. Ah, il y en a encore un qui tienne. Et cette caméra c'est de la boulette. Et vous voyez on peut... Regardez mon écran en bas à gauche. Ah non il y a ma caméra dessus. Attendez j'enlève la caméra 2 secondes. Hop. Regardez du coup là on peut switcher super facilement entre toutes les cams. Above the A. C'est vraiment très pas mal. Vas-y, bouge Mary et arrête de bouger, tu vas voir. Bouge, ok, là je suis cramé. Voilà. Et là je suis plus cramé. Oh, c'est magnifique. Ah, par contre. Ouais, ça me plaît énormément ce qu'ils sont en train de me dire. Est-ce que, en tant qu'attaquant, vous pouvez ça voir mon drone de Twitch? Ça sort quand, ça sort, à mon avis, d'ici 2 semaines. Avec 3 et 1, tu peux changer. D'ici 2 semaines, mais sachant que le TTS va rester ouvert. Loubouf, s'il te plaît. Sachant que le TTS va rester ouvert jusqu'au lancement du patch, quoi. Donc, c'est ça qui est agréable, c'est que dès maintenant, vous pouvez vous concentrer sur le TTS. Oh, le recul de. Pour vous habituer, parce que, à mon avis, enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne d'arrêter de jouer sur les serveurs normaux actuellement et de vous entraîner à fond sur le TTS parce qu'il y a tellement de changements. Que ça va vous faire extrêmement bizarre si vous n'allez pas tout de suite sur le TTS prendre vos marques. Donc je vous conseille énormément le TTS parce que les changements sont vraiment radicaux. Il y en a ah non, j'ai encore mieux. Ils vont pas l'avoir ici. Ils vont rentrer, mais ils vont pas l'avoir. Putain, cette petite caméra va changer tout. Ok, sur le pion, regardez ma caméra, comment elle va changer toute la donne. Grâce à cette caméra, on va gagner. Mais tu ne peux pas la détruire, gros connard. Je cherche comme un con. Bon, c'est man. À gauche.
Là, je peux pas mieux pinguer. Ah, cette caméra, elle est trop bien. Elle gagne grâce à ma caméra. Mais il fait quoi l'autre là? Et voilà. Je vais avoir les fios. Donne-toi. C'est pour ça, ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent avoir le TTS. Franchement, jouez à fond le TTS maintenant. Pour vraiment vous habituer aux armes, aux nouvelles décales. Aux drop shot pour ceux qui y étaient habitués. Etc. Etc. Effectivement. Les Swift. Ah, regardez, regardez ma caméra comme elle est trop bien. Regardez, regardez. On va pinguer. Ping. Voilà. Voilà, ah, grâce à ma caméra. C'est ma caméra. J'ai blessé, j'ai tué. C'est grâce à ma caméra. Cette caméra est l'avenir. Près de la licorne, près de la licorne, à côté de la licorne. Je lui ai mis une tête. Bah, a priori, c'est lui qui te l'a mis. Trop bizarre. Ok, au bout du couloir sur le ping. Voilà, c'est grâce à. Oh, what the fuck, les amis. J'avais dit quoi? Ah, mais on est d'accord qu'on est plus lourd sur les deux. Ouais. J'ai l'impression d'être plus lourd. Encore une fois, dès que je mets ma caméra blindée, on gagne.